Alors, je suis en SP humanité avec un S, littérature et philosophie. Donc nous, dans cette spécialité, on part souvent des textes, on étudie les textes pour en fait après entamer une réflexion. Et du coup, dans ces deux matières, on fait souvent des travaux de groupe. Ça consiste en l'étude des hommes et des civilisations. Et c'est une spécialité qui permet la réflexion et l'ouverture sur le monde. Mais il faut vouloir se cultiver. En cours, on fait beaucoup de travaux de réflexion, on se pose beaucoup de questions, on aborde des thèmes assez différents et on fait beaucoup de débats. Alors, moi j'aime beaucoup le côté réflexion qu'on travaille surtout en philo. Pour le travail oral, on passe souvent par le discours. On s'ennuie jamais parce que notre travail ne reste pas bloqué dans la méthode scolaire. Par exemple, il nous arrive de construire des petites mises en scène. Ce qui me plaît le plus, c'est l'oral, faire des débats, aborder des thèmes de l'actualité et défendre ou critiquer certains thèmes. Alors, cette SP, elle nous apporte de la culture, un esprit critique, elle nous permet d'être ouvert d'esprit et se questionner aussi sur les différentes choses qu'on ne verrait pas à l'extérieur. Ça me permet de développer ma pensée, élargir ma culture. Dans cette SP, on apprend à communiquer et surtout quand on étudie la parole. Cette spécialité m'apprend à développer mon esprit critique et à embellir ma culture générale. Après le bac, personnellement, j'aimerais bien faire une prépa art pour ensuite faire du design graphisme. Et moi, je voudrais m'orienter vers la communication. Pour après le bac, ça ouvre des portes qui peuvent donner sur des métiers où on se sert de la parole. Je pense à avocat, par exemple, où on apprend à philosopher. Et par exemple, on peut faire des concours d'éloquence. Après le bac, ça pourra me servir pour quand je suis en société à faire des débats, à parler avec des gens. Et ça aide beaucoup à améliorer la compétence à l'oral, donc pour plus tard, c'est bénéfique. Après le bac, cette spécialité m'aura servi à développer mon esprit critique en société et je pourrais même m'en sortir en société.